Salut tout le monde, c'est AyoTutas les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, comme d'habitude. Je suis en vacances. J'espère que ça va bien pour vous aussi les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter les joueurs avec les plus gros potentiels sur le mode carrière. Voilà, vous devez vous attendre à des joueurs très jeunes et... voilà, qui auront certainement un très grand avenir. Je vous laisse avec la vidéo. C'était AyoTutas HD, prenez soin de vous. Laissez un like dès maintenant. Bye tout le monde. Donc on commence directement avec Dybala, le joueur argentin de la Juventus de Turin, qui a un potentiel de 82 général. Ensuite Mbolo, 82 technique, le petit Suisse qui évolue au FC Basel. Il est très 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 bon, même en vrai les gars, j'ai déjà vu jouer. Voilà, ensuite un joueur beaucoup moins connu, Guedes, 82 général, moi je le connaissais pas avant cette vidéo. Ensuite Depay, un potentiel de 82 général, vous le connaissez tous, il joue à Manchester United, il est hollandais. Ensuite Marco Verratti, très très connu du grand public, voilà, il a 82 général, 4 étoiles des deux côtés, et il joue au Paris Saint-Germain. Ensuite Sterling, les gars, le joueur très cher qui joue actuellement au Manchester City et qui a 4 étoiles de geste technique. Ensuite Griezmann, le petit français qui est buteur cette année. Il a 4 étoiles de geste technique comme les années précédentes. Ensuite Isco, 90 de général, le joueur que j'adore, les gars. Il arrête parce qu'il est très 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 technique. Voilà, j'aime ce joueur. Ensuite De Bruyne, un joueur belge qui joue non pas au FC Wolfsburg, désolé pour l'erreur les gars, il joue à Manchester City. Ensuite pour finir Tillmans avec 90 de potentiel. Tillmans, jamais vu jouer sans vous mentir, mais il a l'air bon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like pour la sortie de l'épisode 4 du retour Neymar demain, et je vous dis à très bientôt. C'était AyoTutas HD, prenez soin de vous, bye tout le monde.